Mein Führer. Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Amis des guitares, bonsoir. Radiohead est en tête d'affiche du festival californien Coachella en 2004. Lorsque Thom Yorke, le chanteur, apprend que Pixies jouera avant eux, il est révolté. Il s'écrie que c'est comme si les Beatles faisaient leur première partie. Ça vous donne une idée du niveau de vénération que suscite le groupe dont nous allons parler aujourd'hui, Pixies. Charles Michael Kittredge Thompson IV naît le 6 avril 1965 à Boston, dans le Massachusetts. Sa famille déménage rapidement à Long Beach, en Californie, à proximité des bases navales américaines et des sites de lancement. Le petit Charles et son frère Errol voient passer pas mal d'objets lumineux étranges dans le ciel, ce qui fera des ovnis le thème de prédilection de Charles. Et puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus, notamment. Très jeune, sa mère l'encourage à écouter des disques plutôt qu'à regarder la télévision. Et c'est ainsi que Charles découvre Bob Dylan. Une visite d'un cousin de la famille qui oublie sa guitare classique, et voilà le jeune Charles qui rêve de créer un jour son propre groupe de rock. Il reçoit un ticket de concert de Jethro Tull pour son 14e anniversaire, et découvre également R.E.M., Black Flag, les Meat Puppets et les Misfits. En 1983, il débute des études d'anthropologie à l'université du Massachusetts et y fait la rencontre d'un étudiant en économie, Joseph Alberto Santiago. La famille Santiago, originaire des Philippines, possédait une fortune considérable. L'oncle de Joseph était propriétaire de deux des trois premières Mercedes importées dans le pays. Mais lorsque le dictateur Ferdinand Marcos prend le pouvoir, le père de Joey décide d'émigrer aux États-Unis. Lorsqu'ils se rendent compte tous les deux que la principale raison pour laquelle ils se sont inscrits à l'université était de créer un groupe, ils décident tout naturellement de jouer ensemble. Les nouveaux amis passent le plus clair de leur temps à fumer des joints en écoutant les Talking Heads et Iggy Pop, mais ils doivent mettre leur projet musical de côté lorsque Charles part pour un an à Puerto Rico dans le cadre d'un programme d'échange de l'université. You know the ones where you give them one of your children and then they give you one of their children? What is it called when you kids swap? Thank you, sorry, that's right, exchange. Some of you are like, that's called human trafficking. Charles se retrouve donc à San Juan, et c'est là qu'il décide de laisser tomber l'université et d'entamer une carrière dans le rock, non sans avoir au préalable convaincu son ami Joey d'en faire autant. C'est ainsi que, quelques mois plus tard, il se retrouve à dormir dans un van, sur un parking, à l'arrière d'un Dunkin' Donuts de Boston, travaillant tous deux dans les entrepôts voisins. C'est Joey qui, parcourant le dictionnaire au hasard, propose le nom Pixies. Charles, quant à lui, décide d'endosser le pseudonyme de Black Francis. Il se met en quête d'une section rythmique et publie une petite annonce dans le Boston Phoenix. Kimberly Ann Deal, 25 ans, est originaire de l'Ohio, diplômée en biologie et vient de débarquer à Boston. Elle est guitariste et n'a jamais touché une basse, mais elle décide tout de même de répondre à l'annonce. Il tente de convaincre la sœur aînée de Kim, Kelly, de devenir la batteuse du groupe, mais en vain. Le groupe débute donc avec une boîte à rythme avant d'être rejoint en 86 par une autre connaissance de Kim, David Lovering. Lorsque le groupe au complet se réunit pour la première fois dans un local de répétition fétiche sous un bar de Kenmore Square, Charles a déjà composé tous les tubes qui feront les premiers succès de Pixies. Pixies entreprend de répéter 5 soirs par semaine et développe dès le début ce qui fera leur marque de fabrique, des couplets calmes qui alternent avec des refrains à liquéfier les murs. Pixies se produit pour la première fois au Jack's sur Mass Avenue pour 17$. Dès le premier cri de Charles, le public semble conquis. Charles explique qu'il a pris l'habitude de crier pour attirer l'attention du public. Il a remarqué que le simple fait d'agiter son gros derrière sur scène ne suffisait pas. Pixies ouvre peu de temps après pour les Throwing Muses. Gary Smith, leur producteur, est présent dans la salle pendant le soundcheck du groupe et il est fasciné par les deux guitaristes. Il propose donc à Pixies d'enregistrer à Fort Apache, un studio fondé plus tôt dans l'année par 4 musiciens et producteurs locaux, dont Paul Coldery, qui produira plus tard le premier album de Radiohead. J'en profite ici pour aborder un point important. À l'époque, enregistrer un album tient du miracle. Louer un studio coûte horriblement cher, de sorte que vous êtes obligé d'être produit par une maison de disques. Mais lorsque vous allez présenter une démo à une maison de disques, on vous répond que vos enregistrements manquent de finition. C'est le serpent qui se mord la queue. Le manager des Throwing Muses, Ken Goss, devient également leur manager et fait écouter les enregistrements au fondateur du label anglais 4AD, Ivo Watts-Russell, qui au départ n'est pas très emballé. Il trouve que le groupe est trop américain.
comprenait bruyant et insupportable. C'est la petite amie de Ivo qui le convainc de signer le groupe, et ce dernier décide donc de sortir un mini-album en Angleterre. Intitulé Come On Pilgrim, ce dernier comprend 8 des 17 titres enregistrés à Fort Apache. L'album rencontre un succès immédiat auprès de la presse anglaise, et il atteint le top 5 du classement indie anglais à peine 18 mois après la formation du groupe. C'est Steve Albini, décidément dans tous les bons coups, qui est choisi pour produire le premier album. Peu impressionné par la musique de Charles, Albini insiste pour que les crédits mentionnent « enregistré par Steve Albini » et non « produit par Steve Albini ». L'album Surfer Rosa, sorti en 88, atteint immédiatement la seconde place du classement anglais, et John Peel les diffuse encore et encore dans son émission John Peel Sessions, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Pixies tourne avec les Troy Muses, et c'est donc tout naturellement que Kim s'associe à Tanya Donnelly, leur guitariste, pour former le groupe The Breeders. Kim propose également plusieurs chansons pour le prochain album des Pixies, mais cela ne plaît guère à Charles, qui pense que la bonne stratégie est de ne jouer que ses chansons. Des tensions apparaissent au sein du groupe, Charles en arrivant même à lancer sa guitare sur Kim. Pixies passe plusieurs semaines de l'année 88 à enregistrer les chansons du deuxième album avec Jim Norton, qui travaillera plus tard avec Echo and the Bunnymen et les Foo Fighters. L'album Doolittle sort en avril 89 et se place à la 226e place des 500 meilleurs albums de tous les temps du Rolling Stone magazine. En ce qui concerne les paroles, Charles admet lui-même qu'il ne fait que coller des mots qui sonnent bien ensemble. « Dans tout succès rock, dit-il, ce qui compte le moins, ce sont les paroles. » C'est peut-être pour ça que les Européens sont tellement fans de Pixies, et ils comprennent pas les paroles de toute façon. « Where is Brian ?» Et toi, comme un idiot, tu répondais sagement « Brian is in the kitchen. » L'album se hisse à la 8e place du classement anglais, et pas dans la catégorie rock alternatif, dans la même catégorie que les artistes qui possèdent une île dans les Caraïbes. Le groupe signe alors sur le label Elektra, label de The Cure, pour la distribution US. Robert Smith, le chanteur, déclare d'ailleurs que Pixies est l'un de ses groupes préférés, et Pixies embarque en tournée avec The Cure pour une centaine de dates. Des détails de plus en plus nombreux irritent Charles. Ce dernier a développé une phobie de l'avion et n'accepte plus de voyager qu'en bus, en voiture ou en bateau de croisière pour traverser l'Atlantique. Tous les concerts se ressemblent, les taxis, les hôtels et les salles de concert étant en général les seuls endroits qu'ils ont l'opportunité de visiter. Le groupe est également lassé de jouer les mêmes chansons encore et encore, au point qu'il s'amuse certains soirs à les jouer par ordre alphabétique ou à commencer le rappel, quitter la scène et attendre les applaudissements pour revenir sur scène jouer le reste du concert. L'ambiance dans les loges est également déprimante, le fossé entre Charles et Kim ne cesse de grandir. Dès la tournée terminée, chacun s'éloigne aussi loin que possible. Joey part pour le Grand Canyon, David se rend en Jamaïque et Charles retourne sur la côte est de son enfance. Kim, quant à elle, se rend à Édimbourg avec Tanya Donnelly pour le premier album des Breeders, intitulé Pod, et enregistré, et surtout pas produit, par Steve Albini. À son retour, Kim a la désagréable surprise d'entendre que les autres membres du groupe ont entrepris de se débarrasser d'elle. Il semblerait que le groupe soit excédé par la tendance trop fréquente de Kim à arriver en retard. Il n'est pas impossible non plus que Charles ait mal pris le succès de Pod, pressentant que cela donnerait à Kim un nouveau prétexte pour accroître sa participation à la composition des albums de Pixies. Cependant, lorsque Kim fait valoir que sa présence dans le groupe est un élément crucial de l'amour que les fans portent à Pixies, elle finit par les convaincre que s'habituer à son manque de rigueur serait un moindre mal. C'est donc le groupe au complet qui se rend au studio pour l'enregistrement du troisième album, toujours produit par Jim Norton. L'album Bossa Nova sort en août 90 et entre à la 3e place du classement UK et à la 70e place du classement US, sans aucune diffusion à la radio.
Pixies se produit en tête d'affiche du Reading Festival et joue devant une armée de fans qui reprennent en chœur la quasi-totalité des paroles en même temps que Charles. Et pourtant, malgré des millions d'albums vendus, l'ambiance dans les loges reste glaciale. Mais déjà, la pression du prochain album se fait sentir de la part du label, et Charles, qui est un peu à court d'inspiration, doit se forcer à écrire. Plus encore que d'habitude, il tient à participer seul à la composition de l'album, et les autres membres ont un peu l'impression d'être de simples musiciens de session. C'est pourtant l'album Trompe le Monde, sorti en septembre 91, qui contiendra quelques-unes des plus extraordinaires chansons de Pixies. Ils se produisent devant 20 000 personnes au Crystal Palace Bowl à Londres, ce qui n'est tout de même pas si mal, même si c'est 5 000 de moins que ce que les promoteurs espéraient. La folie des grandeurs. Il faut dire qu'au même moment, l'album Nevermind se vend en quelques semaines à plus d'exemplaires que la totalité de la discographie de Pixies. Kurt Cobain a déclaré que c'est Pixies qui lui avait inspiré cette façon d'alterner les couplets calmes et les refrains ravageurs. Il affirme même que leur hit Smells Like Teen Spirit était sa tentative d'imiter la chanson des Pixies, Debaser. L'ambiance au sein du groupe continue de se détériorer. Charles voyage dans sa Cadillac, Kim dans une voiture de location, et seuls Joey et David partagent le tourbus. C'est finalement le 13 janvier 1993, sur l'antenne de la BBC Radio 5, que Charles annonce la fin de Pixies. Charles démarre alors sa carrière solo en commettant deux erreurs. La première, c'est qu'il abandonne le pseudonyme de Black Francis sous lequel tous les fans le connaissaient, pour prendre celui de Frank Black. La deuxième, c'est qu'il refuse de continuer à jouer les chansons de Pixies en concert, or même qu'à l'exception de Gigantic, elles sont toutes les siennes. Kim, quant à elle, rejoint les Breeders pour un second album, Last Splash, et le single Cannonball, qui devient instantanément le hit de l'été 93, hissant l'album à la 34e place du classement US. Charles, s'il ne rencontre pas le même succès, a au moins le mérite d'être très prolifique, enregistrant pas moins de 19 albums solo entre 1993 et 2011. Joey et sa femme Linda forment un nouveau groupe, The Martinis, et David se lance dans une nouvelle carrière de magicien. A penny. Here we go. Just like that, a dime. You know, in 50 years I'll be able to quit the Pixies. Ainsi s'achève l'épopée d'une autre légende du rock, Pixies. Mais non, je déconne. On sait tous que les groupes de légende finissent toujours par se reformer, ne fût-ce que pour l'argent. En 2004, Pixies annonce son retour sur scène, à défaut d'un retour en studio. La quasi-totalité des dates sont sold out en quelques minutes, rapportant un total de 14 millions de dollars sur l'ensemble de la tournée. Le groupe enchaîne les tournées jusqu'à ce qu'en juin 2013, Kim annonce son départ définitif. Elle est brièvement remplacée par Kim Chatuk, puis par la bassiste de Perfect Circle, Paz L'Enchantin, avec laquelle le groupe enregistre 3 EP, rassemblés en avril 2014 dans l'album Indie Cindy, le premier depuis plus de 20 ans. L'album atteint la 23e place du classement US, et Pixies part en tournée avec Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin. Le dernier album en date, Head Carrier, est sorti quant à lui en septembre 2016. Pixies constitue peut-être la meilleure définition du groupe de rock alternatif. En 6 ans et 5 albums, le groupe a perfectionné sa marque de fabrique, basée sur une utilisation parfaite des changements dynamiques entre couplets et refrains.
Malgré un succès commercial relatif, l'influence de Pixies s'étend sur une génération de groupes tels que Nirvana, Pavement, Radiohead ou The Strokes. C'est ce qui fait de Pixies une légende du rock, et c'est ce qui fait de nous les gens du rock. Le stress, le bruit d'un vaisseau.